Entamé depuis le 1er mai 2015, le mouvement de grève persiste au sein de la société de télécommunications Gabon Télécom. Ce matin, les agents sont une fois de plus montés au créneau pour exprimer leur ras-le-bol. Le 24 février 2014, que nous avons initié un certain nombre de démarches auprès de notre direction générale, les démarches liées aux revendications du personnel. Malheureusement, on a été obligé d'être dans une situation avec l'employeur qui n'a pas satisfait les agents. À la suite de la remise de ce mouvement de grève sur pied, il y a un certain nombre de démarches que nous avons faites, mais qui malheureusement à ce jour n'ont pas abouti. Parmi les points inscrits dans leur cahier de charge, la mutualisation, l'harmonisation et les 5%, on peut dire qu'il y a une légère avancée. Nous savons, et ça nous rappelons à l'opinion nationale et internationale, que aujourd'hui, on sait bien que nous, ça fait plus de 15 milliards qu'on vient de perdre par rapport à cette grève, alors que notre mutualisation s'élève à 5 milliards. Mais nous envoyons un message fort qu'au-delà de tout ce qui est aujourd'hui en train de peut-être être acté sur nos trois revendications, nous interpellons les autorités de faire en sorte que ces 5 milliards nous soient reversés. Un appel a été donc lancé aux autorités compétentes par les grévistes dans le but de voir leurs revendications satisfaites, car ces derniers, qui jusque-là assureraient le service minimum, disent ne plus le faire s'ils n'ont pas trouvé gain de cause. Toute chose qui aura des répercussions sur la clientèle. C'est sous le patronage du président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature, que se tiennent les travaux du séminaire de formation sur le thème « Médias et justice, éthique et déontologie au cœur du journalisme » depuis ce mercredi 13 mai 2015 dans l'enceinte de l'École nationale de magistrature à Libreville. Un séminaire qui servira à taire les malentendus qui règnent entre la justice et les médias afin de consolider l'état de droit. Honorables invités, le malentendu entre la justice et les médias est permanent. La justice travaille dans la durée et le secret, alors que les journalistes veulent tout savoir et tout publier tout de suite. Bien entendu, le souci des uns et des autres est celui de servir les citoyens en accomplissant le devoir constitutionnel. Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, qui a présidé les travaux d'ouverture, a souligné toute l'importance de ce séminaire. En me félicitant de la convocation de ce rendez-vous, du donner et du recevoir, entre les acteurs de la justice et ceux de la communication, le gouvernement de la République estime que votre séminaire est un important moment pour la popularisation de la vision de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature, en matière de consolidation de l'état de droit, de promotion des droits de l'homme et de raffermissement de la démocratie au Gabon. Présent à cette cérémonie, le ministre de la Communication a servi de relais entre les professionnels de la communication et la justice afin de créer un équilibre entre les deux parties. La province de Langouni était en effervescence ce week-end, notamment le district d'Étéké dans le deuxième siège du département de l'Ogulu à Mimongo, à l'occasion des festivités marquant le 47e anniversaire en différé du Parti démocratique gabonais, PDG. Des groupes socioculturels ont entretenu une ambiance de fête autour des cadres du parti originaire de ce département. Devant des militantes, militants et sympathisants fortement mobilisés, plusieurs intervenants se sont succédés avec comme leitmotiv l'unité du parti et le soutien aux distingués camarades présidents. Il me convient de rappeler à vous, camarades militantes et militants, que le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba a depuis le début de sa mandature placé la fête du parti comme un moment propice pour faire le bilan des activités réalisées et les perspectives d'avenir. C'était également l'occasion pour le ministre délégué à la Santé, Youssouf Sidibé Nzengue Akassa, de rappeler à la population, notamment aux femmes, l'importance du projet Graine lancé par le chef de l'État. Nous sommes venus à Étéké célébrer le 47e anniversaire du Parti démocratique gabonais avec nos frères de Langouni. Maintenant, ce que nous souhaitons à tout le monde, c'est que l'on suive la vision du chef de l'État. Surtout pour vous les femmes, qu'on soit autonome de 2015 à 2025, c'est la décennie des femmes. Les femmes doivent être autonomes. Faisons en telle sorte qu'on prenne accord le projet Grain. Ce projet Grain va nous permettre d'être autonomes. Le 12 mars, en différé, a été une totale réussite dans le deuxième siège de l'Ogulu.
Le panel s'est ensuite dirigé dans le premier siège où les attendaient déjà de nombreux militants. Une journée rasta, celle réservée à la mort de Bob Marley, précurseur du style reggae. Nous nous sommes plongés pour la circonstance dans l'univers du rastaman gabonais Didier Dekoukaï pour nous parler de ce jour particulier. Bon, tout simplement, c'est le travail que Bob Marley a battu. Bon, et pas seulement Bob, il était entouré de beaucoup de monde. C'est pour reconnaître le travail que l'homme a fait. Et aujourd'hui, on consacre cette journée à Bob Marley. C'est le jour que Dja l'a appelé. L'activité des Rastas dans certains états ont un lien très étroit avec le Nganja, autrement appelé chanvre indien. Notre interlocuteur fait le rapprochement entre les deux. Oui, vous savez, on ne peut pas parler de Rastafari sans parler de Ganja. Ok? Bon, le Ganja, c'est une plante naturelle que Dja a créée, tout comme nous, nous avons été créés. Le commerce du chanvre n'est pas fait par les Rastas. Les Rastas ne vendent pas le chanvre. Les Rastas le fument, oui. Pas tous, bien sûr, mais ils ne vendent pas le Ganja. L'esprit Bob Marley plane sur toute la communauté Rasta du monde. Et cet anniversaire est bien célébré par les adeptes de la Marley Music. Zimbabwe, no more internet. Power struggle, children, let us come together to overcome the little trouble. Pour la paix et pour Dja Rasta, cet anniversaire sera célébré le premier week-end du mois de juillet à l'occasion de la grande nuit de reggae au Gabon. Minute de silence, hymne du parti et allocution ont ouvert les festivités du 47e anniversaire du PDG ici à Mabanda. Célébré en différé cette année, les filles et fils de la Nyanga ont tenu à marquer leur attachement au parti et susciter de nouvelles adhésions. Je ne résiste pas à la tentation de remercier le distingué camarade pour la clairvoyance avec laquelle il dirige notre pays. C'était aussi l'occasion de dire les réalisations faites depuis 2009 et surtout expliquer l'importance de certains projets. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour célébrer notre parti dans l'allégresse et dans la joie. Le pacte social, vous me direz, c'est très savant. C'est quoi? C'est un programme. C'est surtout une vision. C'est également une méthode avec des mécanismes. Et là-dedans, il y en a plusieurs. L'un des mécanismes, c'est le projet Grain qu'il a présenté à la Nation dernièrement et qu'il allait lancer à Makoko. Une coopérative a reçu le don d'un agrément commercial et d'un camion pour faciliter ses activités. Je vous remets cet agrément de cette coopérative agricole, agro-pastorale, et en même temps, les clés du camion qui a été acheté à cet effet par le camarade Emmanuel Idongo. La pose de la première pierre de la maison du parti à Mabanda et une marche ont bouclé ce 47e anniversaire dans cette commune. Elle va bâtir.